3, 2, 1, go mec. Et what's up YouTube, c'est Faber PC. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, vidéo pas hors série parce qu'on reste quand même dans le thème du scooter. Mais voilà, la RPC a gentiment été invitée à un événement, donc un rassaut de bagnoles. Alors des bagnoles de ouf, hein, on va, de toute façon vous allez voir ça après. Et on a été invité à exposer nos petits scooters, nos petits dragsters. Donc voilà, on est là et c'est dans le 83, ça fait extrêmement plaisir. Donc je vais vous envoyer l'intro et je vais aller filmer toutes les bagnoles en musique. Et bien évidemment, vous nous connaissez, on n'est pas là que pour faire du statique. On va aller défier quelques bagnoles à 700-800 chevaux au calme avec nos petits scooters de 30 chevaux. Voilà, allez, transition frontale, c'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Bon, on a installé les machines. Y'a Jojo, y'a Laurie Barbier. Et il y a aussi Jésus, Philo, il y a Zélie, il y a ma mère, et il y a Mika, je sais pas où il est. Il est parti avec Geoffrey. Ah voilà, bah, c'est vrai qu'il y a Geoffrey aussi. Et il y a Zilouzou Photographie, donc voilà, événement dans le 83. On a prévenu tout le monde, ça fait plaisir d'être invité dans un événement dans le 8-3. Je pense qu'on va aller faire un tour en musique. On va aller faire un truc. Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it looked right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah. Come with a hook right. Hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know this took time. This what a legacy look like. This what a come with a hook right, and I come with a hook right. Bon, on a eu un léger problème, c'est que bah, tous nos concurrents qu'on voulait défier sont partis. Ils ont eu peur. Voilà, ils ont eu peur. Et du coup, on a quand même trouvé des concurrents, mais on s'est du deux roues. Voilà. Donc, je pense qu'on va laisser ça à Mika. Moto contre moto, tu vois. Ouais. T'es chaud ou pas? Toujours. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va aller charger la moto dans le camion et on va se barrer. Attends, et après, on va revenir. Regarde, ton concurrent qui arrive là-bas. Ton concurrent, il est là. Lui, on va le fumer, lui, gros. Bon, les mecs en voiture, c'est tous des tapettes. On a chauffé quelques motos. Du coup, on charge le camion là. Et on va faire se tirer Mika contre une moto. Franchement, là, on a du choix là. On va aller s'exporter parce que là, il n'y a pas de place. Et voilà, on va faire un petit raid. Hein. Voilà, c'est parti. Bon, du coup, on était sur le rasso. Et comme je vous l'ai expliqué, à la base, on devait se tirer contre une GTR. Donc, je sais pas qu'ils sont chez la culotte, c'est pas vrai. Mais ils ont dû partir au Castellet parce qu'il y avait une session de drift avec des collègues, donc ils sont partis là-bas. On a quand même réussi à motiver quelques motos, peut-être une à deux bagnoles, on verra bien. Là on a fait un cortège, on va aller sur la ligne droite de privilège à l'ancienne. Et voilà, moi je vais pas rouler moi, je vais laisser ce privilège à Mika et Juju, histoire que ça leur fasse un peu plaisir, moi je l'ai déjà fait. Donc c'est parti. Bon Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé? Bah à la base on était venu à notre spot pour rouler, mais je pense que les flics vont pas tarder à arriver parce que regardez.
Le mur il est tombé. Hey, c'est pas nous, hein, c'était déjà comme ça. Hein. On est arrivé, c'était déjà comme ça. Ça c'est abusé. Faut constater, monsieur le constateur. Monsieur le constateur. Qu'est-ce que tu constates, monsieur le constateur? Le constateur est en train de faire son travail. Qu'est-ce que tu constates, monsieur le constateur? Mika, t'as intérêt à gérer le start, mon pote. Hein. Mika, au départ, je pense. On est 7,90, c'est ça? 7,90? Ouais, ouais. Et on va sortir le drag aussi. Philo, il est parti sortir son drag d'ailleurs, il est tout seul, personne n'aide. On va aller l'aider. Bon, vous connaissez la RPC, petite galère. Disque de frein avant qui est amputé, du coup ça bloque le disque à l'avant. Et on va ressortir Mika. Allez, viens! Mika contre un 790. On va voir qui c'est qui gagne. Je pense que le truc qui va être devant. Ah ouais? Le démarrage, ouais, il a le lunch, il est efficace. Il a un lunch control lui? Ouais. Ok. C'est bon pour vous? Vos impressions? Moi j'aurais pas pensé que le petit là il aurait fumé l'autre. Le petit c'est la Derby Amica, tu veux dire? Ouais, le 96. Ouais. Voilà, le 96, voilà. Ah, incroyable. Il est là le champion, il est là. Voilà. Oh, oh bon, allez, les amis, je vous présente Steve. Steve, c'est quoi ta moto? La 980 TTMT. Ok, tu vas partir en route, tu vas arriver vraiment sur c'est bon. Allez, vas-y. Ce genre de ration illégale. Regardez Steve, ça c'est Steve, voilà. Ça c'est Steve. Ça c'est Steve, voilà. Bon, c'est le moment. Derby Bidalo contre S1000R. Bon, c'est à pas reproduire, hein, c'est un petit peu dangereux quand même là. Hein. Tu vois, c'est un petit peu dangereux quand même. Hein. Donc faites pas ça à la maison les enfants. Hein. Bon, à votre avis, qui c'est qui gagne? S1000R ou la Derby? La Derby. La Derby. Le S1000. Moi je suis sur la Derby. La Derby. Aïe aïe aïe. Allez. Bien joué. Eh hey, bravo. Eh hey, c'est le seul gagnant, hein. Bravo, bien joué, mec, bien joué, bien joué. Sur BM. Voilà, bien joué, bien joué. Putain, il fait chier, Mika, on passe pour des cons maintenant. Merci beaucoup, mais par contre, il va falloir repayer une Insta360 parce qu'elle est morte. Hein. Donc le sponsor, c'est pour maintenant, s'il vous plaît. Bon, du coup, on est en train de remballer le stand, voilà. On a remballé tranquillement, là, on laisse un petit peu le scoot. Il y a beaucoup de gens qui viennent la regarder. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont reconnus, qui sont venus nous voir. Ça faisait plaisir. Tout ce que vous avez vu sur le shop est à vendre sur mon site en ligne. Donc vous avez le lien qui apparaît à l'écran comme d'habitude. Sinon c'est en description. Il y a les promos jusqu'au 1er janvier on va dire. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude. Voilà, sur ce, bonne soirée, bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu regarderas la vidéo. Peace.